chouette essuie de lit pour Bigorneau. Maman, t'as vu le service à thé? Super, non? Authentique. C'est un service à thé fabriqué par des réducteurs de tête. Le prix n'est pas réduit, lui. Vous savez attendre cette cannibale? Non, mais j'ai un fauteuil construit par Robinson Crusoe lui-même. Belle journée, capitaine. J'ai pas dit que vous aviez un stand. Ça met un peu de beurre dans les épinaches. Ouais, parce que c'est pas avec ce qu'on est payé qu'on peut préparer notre retraite. Ouais, j'avais raison. Si vous trouvez des gogos assez gaga pour... mais dites-moi, les gars, ça a l'air en bon état, tout ça. Mais qu'est-ce que... Mais ça vient de l'os à moelle! Mais ça vient de mon bateau! Mon pilon vermoulu, vous allez me remettre ça en place de suite ou je fais une matelote, moi! Je vous l'avais dit qu'il verrait. Je vous l'avais dit. Mon ignoble muse, il vendrait terre et mer. C'est nul, cet endroit. Y a même pas de dentier de cannibale. Où est ta mère? Là-bas. Ouais. Elle va encore dépenser une fortune pour un tas de cochonneries. Comme s'il n'y en avait pas déjà assez à la maison. Et combien pour ce lot? 10 tortelles, mon commandant. 5. 9. 6. Ouais, je les prends à 10 tortelles. 11 tortelles. 15. 25. Depuis quand t'intéresses-tu aux longues vues, Victor? 100. Oui, c'est rien que pour m'embêter. Parce que tu sais que moi, je les collectionne. 200. 1000. 1000 tortelles? Oh, c'est bon, je te les laisse. 1000 tortelles, top là, mon seigneur. Bon, voilà un turtle d'acompte. Je vais chercher les 999 autres. Je reviens. Combien les jambes de bois? 8 turtles. Et la maison ne fait pas crédit. Il hurla de douleur quand une main décharnée jaillit de l'ombre et commença à lui faire les poches. Le crâne avait refermé ses mâchoires sur le mollet du capitaine. 999 turtles. Tiens, tu t'en fiches pas mal, toi, des sous-sous à papa. Qu'est-ce que tu lis? Sang et tripes à la une. Et j'ai aussi Le retour des boucaniers morts-vivants et La soupe de l'horreur. Et toi, t'as réussi à le dénicher, ton dentier de cannibale? Non, mais regarde! Une carte au trésor! Pah, sûrement une de ces cartes bidons qu'on offre en promo dans les paquets de céréales. Non, elle a l'air vraie. Il y a même une signature. Capitaine Bordenouille. Fais voir. Oh, c'est pourtant vrai qu'elle a l'air vraie. Oh. Bigorneau, faut jamais laisser passer sa chance. Victor! Tes lorgnettes traînent partout. Tu vas me faire le plaisir de leur trouver une place. Ça te dirait une petite balade en mer, entre hommes? Allons, Bigorneau. Les pirates, c'est moins dangereux mort que vivant. Pense au trésor de ton coude. Ah oui, bordé de nouilles, c'est ça. Il paraît qu'il était très riche. Ah ouais? Eh ben tant mieux pour nous. Dis, Bigorneau, et je pense à une blague. Laquelle, papa? Ton bordé de nouilles. Tellement qu'il était riche, il aurait pu avoir sa propre monnaie, hein? L'écu. L'écu bordé de nouilles. L'écu bordé de nouilles. Je suis marrant, hein? Quoi, tu comprends pas? Il comprend pas l'écu bordé de nouilles. Bon, cherchons pas, c'est un vide. On va voir à quoi il ressemble, son trésor. Papa, papa! Ça y est, j'ai compris! C'est sûrement là. Les pirates enterrent toujours leur trésor au pied d'un rocher en forme de tête de mort. Waouh! Un trésor! Ah, la tombe de bordée de nouilles! Pousse-toi, fiston. Ah, il savait faire des coffres à l'époque! Ah, c'est comme ça! Regarde! Yeah! Et alors? Hein? Et alors? On est tombé sur le comique du coin. Si je mets la main dessus, j'en fais des rillettes, moi.
Il y a des signes bizarres inscrits sur la lorgnette, papa. Ah, il s'est bien fichu de nous, ton bordé de nouilles. Oh, un trèfle à quatre feuilles. Et là, un deuxième. Sa camarade. Il y en a plein partout. C'est dingue. C'est maman qui va être contente. Bigorno, t'as gagné le grand concours de super pirate. Un squelette véritable à monter soi-même. Waouh. Et moi qui pensais que j'avais aucune chance. Allez, allez, vous allez être en retard. Tu ne trouves pas curieux la chance de Bigorno? Ah, c'est une crise passagère. Dans la famille, la chance, ça dure jamais. C'est encore pour Bigorno? Félicitations, vous êtes l'heureux gagnant de notre super tombola. La maison, la bulle est heureuse de vous offrir ces 1000 tablettes de notre nouveau chewing-gum au doux parfum de varec faisandé. Si c'est pas de la chance, alors qu'est-ce que c'est? Le bateau. Ouais, du bol à en avoir ras-le-bol. Moi, je te trouve de plus en plus mignon, ton frère. Alors, écris, tu joues dans notre équipe, hein, Bigorno? Et non, hier, il a joué avec vous. Et aujourd'hui, il faut qu'il joue avec nous, hein, autrement, vous allez encore gagner. Un boulet de canon projeté à une vitesse de 345 nœuds à la seconde. Calculez l'heure à laquelle il atteindra le galion, sachant qu'un vent de face souffle à une vitesse de 24-34 nœuds et que le galion se trouve à 54 mètres, 25 cm et 12 mm du canon. Tiens, ce matin, je vais interroger un McBernick. Scampi, tu vas au tableau, s'il te plaît. C'est pas juste, c'est jamais toi qu'elle interroge. Hé, McBernick, regarde ce que j'ai dégoté. Waouh, un dentier de cannibale. Ça va comme tu veux, Victor? Ça va. Je me fais voler par mon équipage. Je suis endetté jusqu'au cou. Ça va. Eh ben, la mouise, c'est pas héréditaire. Dis donc, il paraît que ton gamin, il a une chance de gardien de phare. Ouais. Incroyable. C'est depuis qu'il a cette lorgnette. Une lorgnette qui porte chance? Y a pas des signes bizarres inscrits dessus? Oui, je crois, oui. C'est la lorgnette du capitaine bordé de nouilles. Comment le sais-tu? Y a qu'une lorgnette qui porte chance comme ça. C'est celle du capitaine bordé de nouilles. Ouais. C'était le pirate le plus chanceux des Caraïbes, à ce qu'on dit. N'empêche, il a largué les amarres pour le grand large, comme tout le monde. Lui, sûrement, mais pas sa chance. Sa chance, elle est toujours là. Elle a toujours été là et elle sera toujours là, tant qu'il y aura la lorgnette. La lorgnette? La lorgnette, mon gars. C'est elle qui porte chance. Désolé, Vigan, je peux pas rester. À quelle heure t'as dit qu'il rentrait de l'école? 4h30. Tu me l'as déjà demandé 20 fois. Mais il devrait être là. Le voilà. Salut, Bigorno. À demain. Et t'oublies pas les chewing-gums. Papa, il y a quoi au goûter? La lorgnette. La lorgnette? Et la lorgnette de bordée de nouilles, où qu'elle est? Ben, je l'ai échangée à Glovis contre un dentier de cannibale. Dis-moi, Bigorno, Clovis, ce serait pas le neveu de... Comment il s'appelle déjà? Tu sais, le gros là, avec des bras comme mes cuisses. Oui, c'est ça, c'est le neveu de Bolaf le hideux, celui qui enfonce les clous sans marteau. Ah. Bois tendre, mal brûlé.
Regarde, tonton. Je suis Barbapou, le pirate Tripou, le roi des grigous. Clovis Rangébille, tonton pas content, tonton grondé. Ouais, je vais leur trouver une super planque, comme les vrais pirates. Gentil neveu Clovis. Oh, dommage, j'ai mes deux jambes. Enfin, faut penser à l'avenir. Alors, mon petit gars, on fait des pâtés. Dégagez de là, je planque mon trésor. Faut pas regarder. Hé, ça te dirait d'échanger ta lorgnette contre une belle jambe de bois? Nul. Contre un vrai sabre? Regarde, super, non? Ouais, elle est nulle. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un coffre. Mince, alors il y en a qui ont du bol. C'est pas à moi que ça arriverait. Tonton Bolaf, tonton Bolaf, j'ai trouvé un coffre. La journée n'est pas perdue quand même. On voit drôlement bien là-dedans. Oh, une gourmette. Bon alors, je dis bonjour, s'il vous plaît, merci. Y a pas de danger quand on est poli. Ah bah oui, mais est-ce qu'il va comprendre la politesse avec son crâne de mouette, notre grosse brute, là? Oh, je sais! Allez, tonton, ouvre! Ouvre, vite! Waouh! Pas dérangé, Bolaf. Bonjour, s'il vous plaît. Merci, monsieur Bolaf. Je viens chercher Clovis pour échanger sa lorgnette porte-bonheur. Si j'avais cette lorgnette, j'aurais sûrement plus de chance. Nous n'avons pas besoin de cette lorgnette. Nous avons déjà assez de chance comme ça. C'est toi qui le dis. Nous avons une famille unie et heureuse. C'est ça la vraie chance. Dis donc, toi, ça marche les affaires à ce que je vois. Et c'est un tableau que j'ai trouvé dans une décharge, une toile de Vincent Van Gogh. On m'en a offert une fortune. Pour un coup de bol, c'est un coup de bol. Un coup de bol, tu dis? T'aurais pas trouvé une lorgnette par hasard? Une lorgnette avec de drôles d'inscriptions dessus? Si, mais je l'ai revendue, là. Oh, mais je te reconnais. C'est toi qui me dois 999 turtles. Je les ai pas sur moi, mais... Assure-toi, va. Je ne suis plus à 999 turtles près. Et la lorgnette, à qui tu l'as revendue? À l'autre collectionneur. Un grand, avec une tête de requin. Irvine. Cette lorgnette est à moi. À moi. Voilà, voilà, j'arrive. Oh, Lucille, c'est merveilleux. Nous avons gagné un voyage en Orient, notre rêve. Même qu'on va pouvoir visiter les cachots du sultan, c'est dans le programme. Formidable. Ça ne vous dérangerait pas de surveiller notre maison pendant notre absence? Cette nuit, on a tenté de nous cambrioler. Bien sûr, vous pouvez compter sur nous. Les plantes, n'oubliez pas d'arroser les plantes. Je m'en chargerai personnellement. Ah, ça pour une collection, c'est une collection. Il faut vraiment avoir une courte vue pour collectionner les longues vues. Elles se semblent toutes, je vais en avoir pour des plombes. Ça y est, la chance, la fortune, ça y est. Tu pourras me la prêter, papa? Pour que tu l'échanges à nouveau contre un dentier de cannibale? Ah, pas question. Et moi, je pourrais la voir juste un soir pour aller voir Kid Créole. J'aime pas ça, c'est de la magie.
C'est jamais bon, la magie. En tout cas, elle paraît bien normale pour une lorgnette magique. Oh, comme vous êtes petit. C'est rigolo, ça. J'adore regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Oh, les tout petits crocos. Oh, les tout petits sacs à main. Ça fait un porte-monnaie, ça. Ah, ça y est, on vient m'annoncer le gros lot. Ça marche, ça marche. Oui, et c'est pourquoi vous, zazazav. Gagner quoi? Non, vous, zazazav. Hérité? De combien? Non, Y a une tombola. Non, y a le feu à votre maison. Mon gros morse, t'as pas eu de chance de recevoir l'échelle des pompiers sur la tête. Sans compter qu'en partant, ils t'ont écrasé le pied. Je comprends pas. C'est pourtant la bonne. Victor McBernick, vous devez au Trésor Pirate plus de 5 ans d'arriéré d'impôts. À régler sur le champ. On dirait qu'au lieu de me porter chance, cette lorgnette, elle me porte la poisse. Enfin. Je ne vois pas ce qui peut m'arriver de pire. Eh bien, mon gendre... Vous avez encore joué avec les allumettes. Ah non! Pas la belle-mère! Eh ben, Victor, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis fait piquer par une bestiole. Et je fais une allergie. Ah, j'aurais dû le réparer depuis longtemps, celui-là. Je suis content de te voir. Il fallait à tout prix que je te prévienne. Me prévenir de quoi? Si t'as la lorgnette, il faut jamais que tu regardes à l'envers, par le petit bout. Tu entends? Jamais! Pourquoi? Et si tu fais ça, le pouvoir de la lorgnette, il s'inverse. Et de porte-chance, elle devient porte-poisse. Ah, c'est trop tard à ce que je vois. Comment faire cesser cette poisse? Hein? Comment? Faut te débarrasser de la lorgnette, mon gars. Mais comme t'as pas de peau, t'arriveras pas à t'en débarrasser. Ah. Écartez-vous, les enfants. C'est pas la peine d'attraper tous la varicelle. Au moins, ma varicelle, elle a fait fuir ta mère, c'est déjà ça. Tu m'expliques ce que tu cherches? La clé! La clé de chez Irvin! Je l'ai pas perdue tout de même! Si. Oh, à tous les coups, je l'ai perdue. Comment on va faire pour arroser les plantes de Pénélope? Non, les plantes, c'est le moussaillon de mes soucis, les plantes. Victor, cette lorgnette, tu l'aurais pas volée à Irvine, des fois? À voler, non! Je lui ai emprunté pendant son absence. J'avais justement l'intention de la lui rendre. Qui c'est le dernier qui est passé dans la salle de bain? C'est papa! Victor, je t'en prie, ne touche plus au robinet. Ne touche plus à rien. Ma petite sardine, ne t'énerve pas. Je vais me débarrasser de cette lorgnette. Je te le jure. Et tout redeviendra comme avant. Peine pour moi, celle-là. Tiens, on dirait que ma poisse a cessé. Ah, j'ai une faim de loup de mer, moi. Je veux les choux. Non, moi. Ça tombe bien, il y en a une pour chacun. Il est tout frais pêché de ce matin. C'est bon, ça. Oh, c'est bon. C'est bon. Ah, qu'est-ce qu'il y a, mon méroudoudou? Il arrête dans le goût. Dans le gosier. Bigorneau, vite! La pince à tison dans la cheminée! J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je ne vois pas d'autre solution. Il faut remettre la lorgnette à sa place. Capitaine! Voie d'eau par bâbord! Même à distance, il porte la poisse. Pauvre méroudoudou. Maman, il y a un gros poisson qui suit papa! Typhon à bâbord! Eh bien, le beau
bouquet de trèfle à quatre feuilles de bigorneau risque de nous être très utile. J'y habite. J'ai dû choper un rhume quand le canot a coulé tout à l'heure. La clé de la maison d'Irvine. Dire que je l'ai cherchée partout. Qu'est-ce qu'on fait, maman? On ramène la lorgnette chez les le requin? Non, le Samoal et ton père ne résisteront pas à un nouveau voyage avec cette saleté à bord. Vas-y, toi. Voyons, Victor, tu n'as plus rien à craindre. La lorgnette est à 6 pieds sous terre. Elle est inoffensive maintenant. Je veux plus entendre parler de la lorgnette. Je veux plus voir une seule lorgnette de ma vie. Voilà. Et pour te remercier d'avoir surveillé notre maison en mon absence, et surtout d'avoir fait crever toutes les plantes de Pénélope, je les détestais. Mon cher Victor, je t'offre ma collection de lorgnettes, comme je sais que tu t'y intéresses. Qu'est-ce qu'on dit? Mort une fiente de thon! Je vais t'en donner, moi, des lorgnettes! En suppos que je vais te les rendre! Pilon vermoulu, huître plate, œil de borgne, une...